Pierre, on a rendez-vous aujourd'hui avec un nouveau match de cette Euroleague. Oui, c'est la quatrième rencontre de ces matchs de groupe. Donc là, pour certains clubs, il n'y a plus de temps à perdre. La composition de Manchester United qui s'affiche. Alors qu'on découvre l'animation tactique hein, choisie par l'entraîneur. Ibrahimovic. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Manchester United qui va pouvoir tirer le corner. Allez, ils vont jouer la touche. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner. Cristiano Ronaldo qui frappe. Ah, ça va être dedans. Le gardien, à mon avis, même lui est impressionné hein, par cette frappe en lucarne. Un ballon qui vient se loger en pleine lucarne. Belle frappe, puissante, en même temps précise. On va apprécier le ralenti sur ce but. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Et voilà donc une équipe qui va tout faire pour décrocher dès aujourd'hui, devant son public, son billet pour la suite de l'épreuve. Ah, pour se qualifier, les joueurs doivent quand même compter sur un résultat favorable dans l'autre match. Est-ce ce ballon qui traîne? Ça part bien, action dangereuse. Hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Luke Shaw. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. La passe parfaite. Il s'avance vers la surface. Allez, qui va reprendre ce ballon? L'arbitre fait signe de continuer à jouer avantage à Manchester United. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Cristiano. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ouais, il lui redonne. On s'approche de la zone de vérité. Tout ça pour finalement perdre le ballon sur le côté. Attention à la frappe. Ouais, là, il y a le gardien. Bonne prise de balle, pas de souci. Ouais, non, il rentre le ballon à l'adversaire, là. Il intercepte. Les Red Devils à l'attaque. Ouais, très bonne intervention défensive. Ah, ça ne passe pas. Paul Pogba. Cristiano. Le gardien qui va tenter de l'arrêter, il n'y a plus que lui. L'arbitre qui laisse jouer. Moi perso, j'aurais sifflé, moi. Il était là, Morgan Schneiderlin. Et Ibrahimovic. Manchester United à l'attaque. Ouais, bonne interception. La touche à venir après ce bon tacle. Il remet tout de suite en jeu. Pas de temps à perdre.
Allez, les joueurs de Manchester qui doivent s'appliquer. C'est une touche pas mal placée. Allez, Pogba qui poursuit son action. Attention, le centre. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus près. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ce n'est pas énorme. Je te dis rien. On retiendra donc de cette. Le début de la seconde période qui est sifflée par l'arbitre à l'instant même. On rappelle qu'on en est à la 4e journée dans la phase de groupe. En espérant que cette seconde période soit aussi agréable à suivre que la première. Et il la joue vite à la touche. Pas de temps mort. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, il va marquer. Il choisit la frappe. Il prend sa chance. Cristiano Ronaldo. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ah, très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Et le voilà averti maintenant. Ah, c'est mérité. D'ailleurs, le joueur ne branche même pas. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre. Ibrahimovic. Oh, regardez, il a eu chaud. Il a eu chaud sur cette action. C'était une balle de break aussi pour la défense. On a bien dosé cette passe de la tête. Lucio Ibrahimovic. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Aucune demi-heure à jouer. La bonne interception. Paul Pogba. Et ce ballon qui est perdu. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ballon rendu à l'adversaire. Ils ont décidé de poser le jeu et d'attendre. Oh, l'occasion! Zlatan Ibrahimovic! Ah oui, c'est dedans! Un nouveau but à mettre à l'heure actif. Ça c'est bien la sérénité dans ces moments-là. Il a placé le ballon sur la droite du gardien. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Ils ont à présent une avance confortable. À suivre un match de la Premier League avec cette rencontre. Manchester United affrontera Swansea à l'extérieur. Un match de Premier League en règle générale, tout ennuie pas. Un changement tactique pour l'entraîneur qui veut voir de l'attaque et encore de l'attaque. Il en a besoin. Le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques. Enfin, presque. Ibrahimovic. Et c'est surtout, ce sera un corner pour Manchester United. Ouais, il donne de l'air à son équipe. Le tir. Gardien qui se détend parfaitement bien.
Le corner en faveur de Manchester United. Juan Mata. Ah, le sauveur était là. Il a vraiment trop son équipe. Finalement, il perd de ce ballon. Attention à cette perte de balle au milieu. Et ils vont le faire sortir la défense, hein, c'est clair. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. 2-0. Il n'y a plus beaucoup de temps à jouer dans ce match. Peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain match de cette équipe. Et la frappe de Zlatan. Oh, la parade du gardien. Il faut être vigilant sur ce corner. Zlatan Ibrahimovic. L'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Il y en a un qui demande à ses coéquipiers de monter tous. Et l'arbitre a regardé sa montre, peut-être le dernier ballon. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pris par seul finalement. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Attention, le centre. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus près. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Ouais, la bonne intention. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Allez, c'est fini sur cette victoire de Manchester United. Ils ont beaucoup couru après le ballon. Et finalement...